Bienvenue mes amis, aujourd'hui je vous présente pour vous amuser pendant la fête de Halloween. J'espère que vous aimez, merci! On a besoin de deux sacs comme ça, de la couleur en noir, une cuillère et aussi les pâtes. Avec l'aide d'un bol, on va mettre les sacs comme ça, après on va mettre la pâte dans chaque sac. On va diviser en deux parties égales. Et aussi, on doit enlever toutes les choses qu'on a mis pour faire cuire la pâte. On va mettre le colorant noir jusqu'à ce que la pâte soit complètement noire. Parce que comme ça, ça va être un effet comme le beurre de terre. Oui, on va manger le beurre de terre. On doit mélanger très bien, mais on doit être très attentif pour ne casser pas toute la pâte. Si on regarde qu'on a besoin de plus colorant, on le met. On doit mélanger jusqu'à avoir la couleur noire comme ça. Et on doit le faire avec les deux sacs. Pour cette recette, on a besoin d'une soupe couleur verte. Moi, j'utilisais la crème de brocoli parce que c'est déjà vert et c'est plus facile. On doit le faire comme c'est écrit dans les sacs. Après, quand elle est prête, on doit le mettre dans un bol. On doit ajouter colorant vert parce que c'est très important que la soupe soit verte. Après ça, on doit mettre la pâte comme c'était le verre de terre. Ça, c'est comme le verre de terre sort dans la soupe. On peut utiliser un bol comme ça ou on peut utiliser un bol comme ça. Alors, on est prêt pour manger la pâte avec le verre de terre. Pour la recette numéro 2, on a besoin d'oignons, bouillon de poule, épices fines, sel, huile d'olive et la pâte. On doit chauffer l'huile et mettre tous les ingrédients, sauf la pâte. On doit les assaisonner et quand ils sont prêts, on peut ajouter la pâte. Mélanger beaucoup jusqu'à la pâte est couverte partout de tous les ingrédients. Et quand elle est prête, fini. Ça, c'est le dernier plat que on a préparé aujourd'hui. J'espère que vous aimez cette vidéo. C'est les pâtes de beurre de terre.